walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he'll save your soul. You gotta keep the devil down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be saved from Satan when the thunder rolls. You gotta keep the devil. Petit marron qui est cuit. C'est quoi la recette d'aujourd'hui? On va être sur un filet de cendre avec une déclinaison de courge. D'accord. Donc notamment, on va partir, parce que bon, on est vraiment dans la saison des courges, il y en a plusieurs qui existent. Donc toutes celles-ci, tu vas les utiliser. Voilà, c'est ça. Donc celle-ci, pour, c'est quoi son nom? Donc on est sur un bleu de Hongrie. Mmh. On va faire une espuma avec. D'accord, ça c'est quoi? Ça, on est sur un delicata. Délicata, on va le faire rôtir avec du poivre de Sichuan. D'accord. Et après, on va le farcir avec de la polenta. Mmh. Là, on est sur un butternut, donc on va utiliser pour faire une petite mousseline. Et ensuite, on est sur un petit marron qu'on a cuit pour réaliser la sauce avec le safran. D'accord. Donc, j'imagine que le petit marron, on va le mixer, c'est ça, pour faire la sauce? Ouais. Donc, j'ouvre ça. Et donc, tu vas le safraner. C'est le principe. C'est ça. Donc, le petit marron, tu vas l'utiliser uniquement pour faire la sauce? Ouais, uniquement pour faire la sauce et également pour mouiller le... pour cuire la polenta. D'accord, je referme, voilà, et on le mixe. Tu rajoutes rien d'autre, hein? Là, j'ajoute rien d'autre, juste avec son jus de cuisson. C'est bon? Ouais. Donc là on a vraiment la purée de potimarron, donc pas trop épaisse ni trop liquide. D'accord. C'est pour ça qu'on n'a pas mis trop d'eau. Donc vraiment comme ça, on a vraiment une bonne base pour qui a vraiment le goût de potimarron. Donc on va réaliser la polenta, c'est ça? C'est ça. Donc pour ça, il nous faut un volume de polenta. Mm-hmm. On va faire la même chose en liquide. D'accord. Donc tu prélèves un petit peu donc de ton potimarron. Je prélève de mon potimarron. D'accord. Voilà. Dans lequel je rajoute du lait. D'accord. Donc je pourrais avoir un volume. Ouais, ça permet vraiment de donner déjà du goût à ta polenta, en fait, tout simplement. C'est ça, ouais. Et de rester dans le même esprit avec les courges. On reste totalement dans la courge, en fait, avec différentes textures, différentes saveurs. Donc là, on est sur un premier volume. D'accord. Et donc la polenta, tu vas la mettre dans l'art, je ne sais plus le nom. Alors la polenta, ensuite, je vais la mettre dans le delicata. Delicata qu'on a snacké et qu'on a rôti au four. Donc le delicata, environ 6 minutes de cuisson au four à 180. Mmh. Voilà. Et donc bien. Au cœur de ce delicata, on aura cette polenta. On aura la polenta, ouais. Mais c'est rigolo. C'est pareil, tu as eu ce parti pris de te dire, je vais faire... tu aurais pu accompagner avec un fumet ou autre. Non, tu as décidé même d'aller jusqu'au bout finalement dans la philosophie de ta recette et de te dire, je vais faire une sauce avec la courge, quoi. Ouais, c'était un petit peu le but, rester vraiment dans quelque chose de végétal, rester... Si on a des gens qui ne veulent pas manger de poisson, qui ne veulent pas manger de viande, on est vraiment sur quelque chose de végétal. Mmh. Et puis comme ça, même sans beurre, après on a du lait, mais après on pourrait juste cuire la polenta avec de l'eau et on serait vraiment sur quelque chose de végétal. Donc on va préparer la sauce? Oui, hein? Exactement. Donc je te donne quoi? Les petites échalotes? Oui, les échalotes. Tiens. Donc on a émincé.
Ensuite, on va faire rajouter du vin blanc. Mm-hmm. Donc, tu vas quoi faire, le faire réduire? Ouais, je vais faire réduire, ouais. Vin blanc, échalote. Mm-hmm. Donc pour donner l'acidité, parce que comme on va mouiller après avec la purée de potimarron qui est assez... Qui apporte de la douceur, qui touche un peu sucré. Toi, tu veux vraiment quelque chose de plutôt... Un petit peu acide, pour qui accompagne bien le poisson. Je vais rajouter un petit côté floral aussi, avec le poivre de Szechuan, qui va corser un petit peu le tout. D'accord. Donc là, on laisse réduire. Et là, on met à réduire tranquillement. Réduction quasi à sec. Quasi à sec, ouais. On va laisser quand même un tout petit peu de mouvement pour que la sauce soit quand même relativement liquide. D'accord. Qu'on puisse faire quelque chose onctueux. Et le safran, je me souviens plus, tu vas le mettre où? Alors du coup, le safran, on va le rajouter dans la sauce. Mais d'accord, une fois qu'elle sera réduite et qu'on aura passé les échalotes et le poivre de Szechuan. Tu le mettras à la fin. Je le mettrai à la fin, comme ça on va pas mixer et on va pas perdre les pistils de safran. D'accord. Il vient d'où? Alors c'est du safran qui vient de Pierre Latrèche, à la ferme de la Chaudeau. D'accord. En fait, juste comme à les côté. Courges également. Ouais, ah, juste super. À côté, ouais. Donc c'est vraiment des... tous les produits quasiment c'est du coin. Ouais, on essaie un maximum de travailler les produits locaux, c'est plus sympa et puis on a vraiment quelque chose de, du secteur. Donc là ça bout, donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter, on baisse notre feu. D'accord, et puis tu vas faire ta polenta. Voilà, je la mets tranquillement sur la plaque. Mm-hmm. Et là je mets ma polenta en pluie. D'accord. Tout en fouettant relativement énergiquement. D'accord. Donc là, on n'a plus qu'à préparer cette polenta. Ensuite, on termine la sauce donc avec le petit marron, les pistils de safran. Voilà, exactement. On mixe les deux autres courges. C'est ça. Dans le bleu d'Hongrie, on rajoutera donc un petit peu de crème, un petit peu de beurre. D'accord. Pour faire l'espuma, pour qu'il monte bien en émulsion. Mm-hmm. On cuit notre poisson. Voilà, on va cuire notre poisson. Et puis on n'a plus qu'à dresser. Et après, on n'a plus qu'à dresser après avoir farci le delicata avec la polenta. Super. Donc la polenta, on la fouette bien pendant 10-15 minutes, qu'elle ne fasse pas de grumeaux et tout ça. Et ensuite, on la mettra à reposer au-dessus du piano tranquillement pendant une vingtaine de minutes. Comme d'accord, ça, elle va continuer de gonfler. On la mettra à couvert pour la laisser gonfler. J'y vais directement avec la sauce pour retrouver un petit peu l'acidité et le safran. Ah, c'est trop bon. J'aime beaucoup justement cette petite touche là, ce que tu disais d'acidité. Ouais. Vraiment, ça, c'est ce qui donne un petit peu de pulse à la recette puisque la courge est relativement douce. Et ce qui est intéressant, c'est la retrouver en différentes textures et façons. Et ça, j'aime vraiment bien. C'est une belle recette que tu nous as préparée. Pour accompagner ce plat, tu es parti sur quel vin? Alors, Du rouge, un vin de Loire, mais qui est très léger. On est sur du gros lot, un vin très aromatique, mais qui ne coupera pas en fait le poisson ni qui n'emportera pas sur la courge. Super. Donc, voilà. Et Gaël, en dessert, est-ce que tu sais ce qu'il a prévu? Ouais, il a prévu un petit mariage entre la châtaigne et puis la courge également, avec de la sucrine. Ça va être un produit petit truc sympa. Produit de saison. Voilà. Bon. Eh bien, santé. Santé.